génocidaire. J'ai vu certaines personnes, personnalités, j'ai dit ah, enquête aussi ma bien. Enquête Elali. 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 La responsable est à opération. Hein. Bazali Lelo Nango. Même l'insécurité. Les alliés, faute morale, on doit punir les gouverneurs. L'insécurité, comme c'était à l'affaire de Kabakaba. Moralement, même le président de la République est moralement responsable. Il faut relever que la partie Nsim Bafali a usé de ce qu'elle appelle affectivement pour ça l'écart. C'est-à-dire quoi, il y a une affaire en justice, vous ne signifiez pas correctement, vous gardez les pièces. C'est ce matin que les éléments sont arrivés. Donc c'est ce matin que la partie Gauthier a pris connaissance du fait. Ali n'a qu'à l'état des droits. L'état des droits, c'est aussi le respect à ma texte. On se comprend. Alors moi, j'interpelle le président de la République. Mais c'est Tshisekedi de Tshilombo. Il est le président, il est censé aussi de protéger son prédécesseur. Parce qu'on ne peut pas comprendre que non, un président de la République, tout le monde est à l'extrême. Attendez, vous allez accepter d'humilier à son absence. Vous avez l'absence de sa femme. Azawa. Vous cherchez. Joseph Kabila Rabangazawa. Je pensais qu'elle est commande. Tu sais, tu vois que nous, on a ciblé seulement. Monisco, Bakangi Balabalat. C'est bloqué pour leur propre sécurité. Un ancien président de la République, la statue, n'est pas n'importe qui. Il y a aussi un attentat. Attendez, il doit avoir les mesures de protection. Vous le mettez, vous considérez lui comme India. Voilà. Pour une actualité qui a pris presque une semaine. Bazoko va vous chasser à moté. On a conçu les mécanismes. Il faut tout ça la ligne. C'était un montage pour... On fait quelque chose. Regardez les courriers du commandant JR. Regardez nos, comment nous sommes, comment notre administration est gérée. Vous comprenez? Je suis mingi mingi na eloko wana te parce que je risque de faire pleurer les gens. C'est le miango. Donc bon ayo, c'est là. Bon ayo makambo garde républicaine a commis sur instruction ya mokonzi ya mboka, ba fungula ba avenir makambo wana ezalu kuta. Réaco News vous informer, c'est notre devoir. Réaco News, la chaîne qui vous informe en temps réel. Il se passe beaucoup de choses en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée par la démolition du mur de Jalem, la résidence de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, envahi depuis samedi par les éléments de la garde républicaine, accompagnés de la police et beaucoup d'autres services spéciaux qui accompagnent ces opérations de démolition de son mur. De l'autre côté, on parle de l'ouverture de route, semble-t-il, la résidence de l'ancien président de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila avait bloqué les entrées, les allées de certaines routes qui organisent la circulation dans cette partie de la capitale. C'est quoi la vérité dans cette affaire, Bandiro Balandi? Vous avez suivi l'émission que j'ai produite le week-end dernier. Je suis revenu sur ces opérations de démolition. J'aurais dû recevoir M. India Omari Force qui était empêché parce que il devait s'enquérir de la situation sur terrain. Eh bien, oui, aujourd'hui, India Omari Force est avec nous après avoir suivi pendant 3 jours depuis samedi, dimanche et aujourd'hui les opérations de démolition. Il a vécu ces opérations. Il va nous raconter ce qu'il a vu et tous les dessous de cartes par rapport à cette opération. Est-ce que c'est une diversion par rapport à la situation de l'Est? Eh bien oui, nous allons parler aussi de l'attaque ou du massacre de Ouazalendo où nous avons vu plusieurs compatriotes être fauchés dans une opération
qui a impliqué les éléments de la garde républicaine qui sont allés rétablir l'ordre. Mais malheureusement, le rétablissement de l'ordre s'est mal tourné et nous avons compté plusieurs morts, plusieurs personnes portées disparues, mais aussi plusieurs blessés, sans compter d'autres dégâts matériels. Sans tarder, le gouvernement de la République a dépêché une délégation du gouvernement composée des VPM, de la Défense, de l'Intérieur et beaucoup d'autres ministres pour palper du doigt la réalité, apporter des solutions. Mais il faut aussi ajouter qu'un procès en flagrance a été organisé pour pouvoir rétablir les responsabilités des uns et des autres. Mais il y a des mesures conservatoires telles que je l'ai souhaité samedi dernier sur les antennes de Télé 50. Quelques officiels de la garde républicaine ont été suspendus dans le cadre des mesures conservatoires. Émission Egozala bilingue français, Lingala, Kiswahili. Bon, vous préférez français dans Lingala. Pour n'acquitter ce message, madame, ces deux sujets feront sans doute l'objet des échanges tout au long de cette émission. Sur votre chaîne Télé-News RDC, je suis Patrick Lokala à la présentation. Comme promis, je reçois pour vous Ndeko India Omari Force. Mbote Ndeko. Mbote Ndeko Patrick Lokala. Boni. Non, ça va. Et au qui vivacité, Ngamoro Naza, très vif. Ngapé Naza, Omoni Naza. Vous avez accolé là, là. Non. Yo, moni, tenu je rappelle que India Omari est cadre du PPRD. Très proche de Joseph Kabila Kabange. Il est parmi ces caciques qui n'ont pas claqué la porte après l'éclatement du FCC Cash jusqu'à aujourd'hui. India Omari, force et reste fidèle à Joseph Kabila Kabange. Alors, Neko India, week-end et les Guindengenim. Bon, nous, l'opinion tant nationale qu'internationale a encore les regards sur ce qui se passe à Goma. À Goma. À Goma. Avec les carnages de Goma. Les sources officielles parleraient d'une quarantaine de morts, alors que la société civile, elle, parle d'une centaine de morts. Bon. Fauché. La façon dont nous avons vu les images. C'est un sujet. Ils sont tout le monde image et tamborina des réseaux sociaux. Toro Lobela Yango, ça vaut pas la peine. L'objectif était, il y a quoi effacer tableau. Très bien, Toro Lobela Yango, c'est le dernier sujet qui fera l'objet de nos échanges. C'est ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce qui se passe à Kinshasa, à GLM? Bon, au moins, il y a des gens qui ont été en train de se faire, qui ont été en train de se faire la précipitation. Il faut être présent. Dans un événement pour expliquer la population, pour chasser le kouta ou le bozoko yoka. Vous avez affecté, hein? Nous avons affecté, hein? Par contre, je suis regaillardi parce que tu as contourné, au fait, tu as contourné stratégie y a adversaire ou y a Munguna. Ce qu'il cherchait. Il cherchait encore des morts aujourd'hui. Alors, très bien. Vous allez nous raconter qu'est-ce qui s'est passé depuis samedi. Au niveau, il y a résidence officielle. Il y a Ndeko Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République et sénateur à vie. Bon, Bandeko, il se passe depuis un certain moment Ndeko Moussousou, il y a un régime en place. Il y a un espace à Kotonga, à Nakate, à Gombe. Vous êtes, il y a un certain nombre de dossiers dans le parquet actuellement qui s'est fait, y compris le dossier de Damson. Parce que on l'a vu, on a eu aussi d'autres explications par rapport qui nous a rendu encore plus. Parce qu'au moment où on est dans le Kambo Oyo, il faut qu'on est dans mon Zindo. Et nous sommes descendus avec l'image jusqu'à place au Makambo Yuti. Désormais, Banagisa ça. Nassima, venu au Babengi, a venu des ambassadeurs. Nyoso Bakomona, clôtira déjà. Oh, Bapeni, tu as la sport, na tongo ya ko marché. Nassima, il y a. Rabodin. Kobanda a parlé de la nation. Ti, clôtiré, ti déjà, tol. Il y a bleu. Il paraît batté qui.
pemene ya mai sa yino lera kala to za ba kino ebele ba yebi lera kala to za sala nini soki tokomona soko ni oza bezo omona mindele hein il faut okene ngambo kuna po ba avenue kwa bodwin voilà na sima bo oko tambola ezala kote ya fleuve omona pe vue panoramique ya Brazzaville mais l'eau c'est difficile ba mindele bango moko bazo sa biso bazo comprendre te pourquoi ba tie ba tol tol ngo ti eko fan ti na kote ya sima ya il y a hôtel du fleuve. Donc, tété, batol, wana, bon, moyen té. Ouais, là, c'est hôtel du fleuve. Chez vous, et pas un dégoût. Nini, et Zalagi, problème, et Zalagi. Non, pas parce qu'il a l'argent, mais parce qu'il aime les gens. Lui, c'est Bertin Itokola, docteur de son état, un homme social qui a un cœur pour aider les autres. Servir, assister et aider, ces trois verbes constituent un credo. Pour né un certain 20 juin 1972. Dans la province de l'Équateur, et résident actuellement à Kinshasa, précisément dans la commune de Barumbu, marié et père de 4 enfants, le docteur Bertin Itoko fut un élève puis étudiant exemplaire jusqu'à la fin de ses études universitaires, sanctionnées par un diplôme en médecine, un master 2 en santé publique, option santé communautaire aux États-Unis, puis diplômé en pathologie infectieuse de la femme enceinte à Paris. Dans un pays comme un immense chantier, la cinquantaine révolue, après avoir créé son centre de santé en 2008, dans la commune de Barumbu, la soif de servir les autres, comme on l'appelle, ne dort jamais sur ses lauriers, surtout quand il faut aider. Ses actions ne sont pas à compter au bout du doigt, mais nous pouvons en citer quelques-unes. La construction de 2 forages d'eau offerts gratuitement pour pallier à ces manques criants d'eau à Kinshasa, plus particulièrement dans la commune de Barumbu. Sa malade souffrant d'appendicite, hernie, myome et autres ont été pris en charge de la consultation, opération jusqu'à l'hospitalisation sans en payer aucun frais. Voulant promouvoir l'autonomisation de la femme, Dr. Bertin Itoko a octroyé à plus de 500 femmes, membres de sa fondation, les fonds de commerce. Question pour elles de subvenir aux besoins de leur foyer, avec une assurance maladie garantie au sein de son hôpital. Ce n'est pas tout. Leurs enfants ayant obtenu plus de 70% à la dernière session des examens d'État se sont vus être pris en charge dans différentes universités par Bertin Itoko qui paye leurs frais académiques pour assurer le bien-être des autres. Toutes ces actions faites sans la subvention de l'État, seulement avec ses propres moyens, montre à suffisance son engagement dans le bien-être social qui restera gravé dans la mémoire des Kinois en général et habitants de Barumbu en particulier. Ils ne manqueront pas à lui envoyer au Parlement au moment voulu pour le représenter et voter des lois en leur faveur. Le peuple est le seul maître de son destin et se rappellera de Dr. Bertin Itoko qui ne laisse pas passer une journée sans aider ni assister, c'est qu'il en manque. Un homme social, distrait, effacé, qui ne fait pas trop de bruit. Bouta samedi, t'il est Balobi, Balobi, officier moko, généraux, naba officier supérieur, naba batu à régime, ba yeko spolié, ndaku, concession, ya Damson. Mundele moko, un sujet belge. Sujet belge, wana, dossier, wana, ezali na parquet, na tribunal. Il a fallu que bakata, mais bazo gelé dossier. En plus, bana kisasa boyebi, ezali affaire au bengi bengaliema. C'est ça là. Problème ezali affaire bengaliema. Affaire bengaliema, na se ya mai écoutez. Bakomi ko. Côté à ba kayas po ba matisa ba ti a hauteur il paraît moko hein ya ba autorité à régime bazolinga ba tonga banda kuna bango na côté à mai wana en face à côté baza ba voisin ya captage d'eau o ya régie de zoto Kabila Salaga na 2000 pratiquement 8 maintenant ils sont en difficulté pour la kobima ah. D'abord, morceler messe des officiers aux acquis côté Kuna. Parce que Kabila,
il n'est que voisin, il y a Damson, voisin, il y a ambassade, il y a Belgique, résidence, il y a ambassade à Belgique. Et c'est tout. Azana a deux voisins. Oui. Et c'est tout. Avec ces deux voisins. Oui, notre côté, ils ont maï. Deux voisins, ils ont côté la rapide. Normalement. De toutes les façons, ba voisin wana Damson yende mutu sikoyo ba botolier lopango ba botolier lopango na ye lopango na ye très bien on comprend azalaki na sorti na ye ngambo kuna ezalaki bo affaire wana ezali affaire moko ezana justice je crois que non justice yango il faut atala makambango de ezali azana affaire c'est à dire problème na ye na tribunal bazan yena bato ba autre spolier ba autre spolier si ko bato wana ba autre spolier nda ko ya Damson concession ya Damson bato wana ba morceler pe messe des officiers bato ebele ba yebi ezana kati kuna messe des officiers wana na terrain ya basket na terrain ya volley concession nyonso wana ba spolier yango ba kati kati mama pango. Maintenant, sorti exacté. Il faut que Bimakaka n'a plan cadastral ya Kabila. Donc, na résidence à Kabila. Donc, la sortie exacté. Bon, c'est-à-dire que. Maintenant, il faut que le Kanzela. Et là, y a et pas ya Kabila. Kabila. Nandaku. Bakate la bango, moi, nda moumou wa lupango. Oh, le place est la servitude. Voilà. Ozomona. Oh, la servitude. Comment bako Bima ba créer l'oku. Et loco oyo tozanango, c'est-à-dire les commandants, y a garde républicaine. Plateau, Derrick Plateau. Na ebite soko okotanga yango, mukanda ngo zali signé le 31 août. Le 31 août 2023. Problème na bango zali nini? Oui, okotanga. Alombango. République démocratique du Congo. Il y a un message qui est là. Il y a désactivé la connexion. Il y a un message qui est là. Peut-être Kabila a ajouté un message. Voilà. Très bien. Nous avons dit que Mukanda et Nango Awa Bandeko Balandi. République démocratique du Congo, présidence de la République, Kinshasa, 31 août 2023, garde républicaine, état-major, commandement, concerne, demande d'ouverture des avenues barricadées. Transmis copie pour information à son excellence, monsieur le président de la République démocratique du Congo, avec nos hommages les plus déférents, à son excellence, monsieur le ministre des Affaires foncières, Molendo Sakombi, tout soit Kinshasa. À son excellence, monsieur le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, tous à Kinshasa, Lingwala. Excellence, monsieur le ministre d'État, votre excellence, demandez sur instruction du commandant suprême l'ouverture des avenues des États-Unis et de la vallée Cise, dans les quartiers Basoko, commune de la Gombe, et aussi l'avenue Bumba. 6 dans les quartiers Ma Campagne, commune d'Engaliema, lequel ont été barricadés sans rime ni raison à hauteur respectivement des avenues Ouganda et Adama, ainsi que l'avenue Ngouma. En effet, ceci facilitera la libre circulation de paisibles citoyens et leurs biens, bien entendu, sur les avenues précitées, dans l'espoir de... que ma requête retiendra votre particulière attention. Je vous prie de bien vouloir agréer, monsieur le ministre d'État, l'expression de ma plus haute considération. Faites à Kinshasa, commandant de la garde républicaine, Kabi Kizira Ephraim, général-major. Voilà. C'était écrit quand? C'est une lettre qui a été écrite Kinshasa le 31 août 2023. Garde républicaine. Ndeko ozoko mona ba sali est-ce que d'abord carnage à Goma et salimi mkoni zila nan tu avato koma kuna là ce sont des effets des conséquences est-ce que makambo ba koma na mukanda wana ezalukuta
que pour barricada Kabila barricada va venir pour monter les karaté et bango siko yo mokonza lobby après si bango instruction ba fungula ba venir pour permettre la circulation. Est-ce que ça le coûte? Ben écoutez, et logo liboso d'abord limiter za barricade pour aller. Ça, c'est pas non, la non, attendez, attendez d'abord. C'est toujours qui ne m'a pas mis. Limitez ça, barricade. Est-ce que c'est d'abord vrai, Maramba Komina Mukandana? Toutes les avenues citées ici ne se retrouvent pas dans la concession à Kabila. Oh, oui. Bah, venu n'y en soit. Oh, je vous dis. Les avenues ne se retrouvent pas dans la concession. Joseph Kabila n'a pas mis. Exact. GLM. Exact. Plan à GLM. Donc, bon, ayo. Alors bien, plan à GLM, yango. Donc, Bonayo, Makambo, garde républicaine, a commis sur instruction à Mokonzi Mboka, et bah, Fumula Bavini, Makambouana, et Zaloukouta. D'ailleurs, sur le plan administratif, est-ce que Zanan Loukouta? Est-ce que, non, non, d'abord, sur le plan administratif, est-ce que c'est le commandant de la garde républicaine à cause s'occuper dans le domaine où il y a aménagement du territoire? Non, mais vous répondez. Toujours intellectuel, le problème c'est quoi? Vous m'avez appelé ici comme scientifique. Oui, oui. Rentrons aussi à la science. Oui, mais avant d'aller dans la science, non, restons dans les faits. Mais c'est ça, nous sommes dans les faits. Ouais. La science, c'est ça. Est-ce que ce qu'il a écrit est faux? Écoutez, il a écrit, il s'est adressé à qui? Est-ce que Kabila n'a pas barricadé les avenues? D'abord, on a GLM. Au moins, le problème, c'est quoi? De Koloka, là. Le public vous attend. Les faits sont sacrés. Et vos commentaires sont libres. Chez nous, nous disons les faits sociaux sont totaux et globaux. Rentrons aux faits. Les faits tels qu'énoncés. C'est une diversion. Les faits tels qu'énoncés dans Mukandawana, on accuse Joseph Kabila d'avoir barricadé. Non, non, on n'a pas accusé Joseph Kabila. Mais c'est ce qui motive la démolition. Non, 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 non. Ne citez pas Joseph Kabila dans Babilo, Romoko et Zangatina. Très bien. Vous comprenez? Ne le citez pas. Pourquoi? Parce que Ezali, on est toujours vivre. Ezali Kouta. Mais ils ont le kouta, pourquoi? Parce que Ndeko Oyo Nauti, ils ont le kouta. Nauti continue de la route, parce que Nini, pour Batala, Bala qui sa véritable plan. Au moins, Ndeko, Batu Bele Bako, Awa. Vous comprenez? Dans le dossier Oyo. On a plan. Parce que les gens pensent. Kabila Zana Mikandanaï. Kabila Zana plan cadastral, il y a Ndako, il y a concession, il y a Ndako, il y a résidence. Tu comprends? Il a fait, il a été président de la République. Même statut, il y a qui président. Et Sengeli, non seulement va protéger yé comme individu dans la famille, yé, mais va protéger même lieu de résidence. Ou tous ceux qui vivent les lots. Non, tout le monde que non, affaire est allée dans le tribunal. Et Kabila n'a jamais été en conflit parcellaire dans Moutou. Le conflit est entre bateau et basse-polier. Na baka type en plus il y a qu'au spolier ndako ya damson ba kei li susu commencele nani messe des officiers o ya kala o za la ki messe des officiers ozomo ba morcelé ngona ba terrain o to za ko beta ba basket na nini ba morcelé ngo et comment et ce sont les faits. Vous comprenez? Bah, imaginez, Nazan Ango, ce sont les faits. Nous sommes allés identifier partout. L'affaire est au tribunal. Vous comprenez? Tant que l'affaire est au tribunal, mais ce qui gouvernement a eu, à l'inégal s'adresser, ou le commandant qui commence à donner les ordres au ministre d'État. Parce que c'est le commandant de la GR donne les ordres au ministre, sans réserver copie. Parce que ce n'est pas lui qui engage l'armée. Commandant GR, Azan a cousiné à l'Ikolo. Armée Zami Baleti. Ozomona. Azali, c'est une unité, la JR d'abord mission, c'est une unité spécialisée détachée de l'état-major général Batindi Ango pour la protection de Mokonzi Mboka. Il peut venir en appui de FRDC dans la circonstance où Azali est établi par l'ordonnance qui a créé cette unité spéciale. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est gravissime. Selon la loi, aux Amandeko, qu'est-ce qui se passe? Bokomi Mukanda, le 31, pour la distraire, battre. Vous comprenez? Objectif de la bagouze à la idée. Tant que Komawana, tout le monde va aller vers Kabila. Donc, au bossa, la Makambo est allé goma. J'ai encore une question à vous poser. Attendez, il y a quand même une explication. Pourquoi tu as dans Mouzinda, vous comprenez? Ma question c'est belé. Le problème c'est quoi?
Il a fallu créer, c'est un truc qu'on vient de créer. Au Lingoloba, diversion. Mais c'est diversion. Tout le monde, tout le Congo était concentré. Abo ça na massacre. Donc, le problème, c'était quoi? S'occuper na Rabine. Tu es quand même journaliste. Pas quand même, comme, je suis journaliste. Vous êtes journaliste. Quand même, le gozo lo baïza. Non, non, vous êtes journaliste, formé. Très bien. Très bien. Une actualité qui a pris presque une semaine. Bazo ko ko chasser ya ngote. On a conçu les mécanismes. Il faut tout ça la ligne. Donc c'était un montage pour... On fait quelque chose. Regardez les courriers. Bah combien on est 31. Bah exécuté on est le premier. C'est-à-dire qu'on a bah combien on est le 31. Et le ministre exécute le premier. Attendez à mon secrétariat général pour pouvoir exécuter et ordre de mission, ordre de service, qui n'est même pas un ordre de mission. Et Tindami, les 31, et les premiers, Batouana Bazali. D'abord, Tango Bayaki, Totundi Bango, Mukande Zara. Il y a un marteau, il y a un biré, c'est samedi. Bayaki na Mukandate. Mukande Zara. Tout ça, 1h30, place 1. Après, il y a un Mukanda Oyo, il y a commis ordre de service. Cher ami, vous connaissez. C'est illégal. Vous connaissez. Vous avez fait l'administration. Vous connaissez la différence entre ordre de mission et ordre de service. Et ça, c'est l'administration. Et puis, dans l'ordre de service, il y a même NU. Vous avez un canal. Ils ont circulé dans les réseaux sociaux. Un secrétaire général qui signe, et il commence par signer une lettre administrative conformément au fait. C'est-à-dire qu'il répond au général, au commandant. Commandant qui demande, qui instruit au ministre. Le ministre s'exécute au travers une lettre, conformément à la lettre numéro tel du commandant. Regardez, c'est comment nous sommes, comment notre administration est gérée. Vous comprenez? Na kokota mingi na eloko wana te, parce que je risque de faire pleurer les gens. Soko tangi contenu. Vous allez vous rendre compte que il y a même empiètement. Alors, conformément, il y a ordonnance sur les attributions, il y a bah, membres du gouvernement. C'est là. Est-ce que soko tangi la ministre titre foncier ou habitat? Parce que la lettre au ordre de service, Zali, lettre à la ministre habitat. Aux hommes, je pourrais comprendre que le soit au moins à la même lettre secrétaire général. Pardon. Toqué administrativement. Secrétaire lettre général. La seule autorité qui est permise à ça les lokoana, à ça le mukanda vis-à-vis du gouvernement, c'est le ministre de la Défense. Où son vice? Où le secrétaire général de la Défense? Cette lettre ici, il y a commandant. A réservé la copie et pas il y a commandant suprême. Zéla. Il ne réserve pas copie à hiérarchie dans les années. Ils allient d'abord commandant suprême, ministre de la Défense, chef d'état-major général, responsable, il y a maison militaire. Vous comprenez? Et puis comme Etali Makambo, il y a logistique. Je pense que non. Le chef d'état-major général qui engage l'armée, toute l'armée, c'est elle, c'est lui qui devait normalement, ou le ministre de la Défense, à Komela, collègue Nabango, il y a aménagement du territoire. C'est-à-dire, cette affaire-là, ce n'est pas l'Andakayango, par exemple, pas sa dossier Wana, et pas à Guy Luando. Guy Luando a mené par enquête, parce que c'est le ministre de l'aménagement. Et ça dit construction T. Et tellement que construction T, c'est l'aménagement du territoire. Sauf que le bazar a besoin de l'Andela. Ou le ministre, il y a travaux publics. Ça est bizarre. C'est comme ça que ça devait se faire. Ou, bah, tiens, comme tu as un problème, il y a un bazar qui est en train de faire. Il fallait soit intéresser le ministre de l'Environnement. Parce qu'il y aura des études à l'impact environnemental sous Bengaliema. Ou soit, ministre il y a énergie. Pas le problème, il y a. Parce que, au moment où il y a un centre, il y a captage, il y a eau. Vous comprenez? Il
ibisika oyo bakoko permettre que le pire yango te. Na zongi pa Kabila. Attendez. Té. Pardon? Té, zela. Mais modèle oyo. Ozo ke vitesse. Zela. Ozo ke ne vitesse mingi. Yebisangai India Omari. Pona yo. Procédure, il y a des malicieux là qui totalement illégal. Mais c'est, on est venu faire la destruction méchante dans une dans un lieu et pas le président Kabila, c'est la destruction méchante et qui doit tout celui qui est parti là à cause n'a pas de problème parce que au moins il pouvoir là. Pouvoir bah mais malgré moi qui gangster ça là moi question mukey ok mbang tout ça c'est là mukey. Est-ce que vous pensez que la garde républicaine a été utilisée abusivement dans cette opération de démolition des murs de la résidence de Joseph Kabila Kabange? Bon, est-ce que vous trouvez normal que tous les journalistes internationaux qui sont arrivés là-bas ont vu, est-ce que c'est le rôle de la garde républicaine au moment où nous avons la police? La question est de savoir, est-ce que la garde républicaine a été utilisée abusivement? Mais non, mais c'est... Au fait, la garde, quelle est la mission? Qui lui a autorisé? Qui a autorisé la garde républicaine d'aller faire ce qu'on a vu là? Yebi Sangaran. Parce que non, Mukanda Zate. Est-ce que la garde républicaine a été utilisée abusivement dans cette opération de démolition? Oui. Oui. Parce que tout le monde est Mukanda Zate. Au moment comment ça se fait? Ça se fait dans la matière. Il y a... Et pourquoi elle a été utilisée abusivement? Pardon? Pourquoi la garde républicaine a été... Domaine, on a un domaine militaire. Et même si c'est un domaine... Logiquement. Attendez, même si c'est un domaine... Yoka, pardon. Mais logiquement, nous sommes d'accord que la garde républicaine a été utilisée abusivement pour démolir, clôturer à Ndakou Kabila. Une autre question. Pourquoi a-t-elle été utilisée abusivement pour démolir, clôturer à Ndakou Kabila? Mais l'intention, il y a une intention politique. Hein? Je vous ai dit. Il y a intention politique. L'intention politique, c'est quoi? C'était de chasser l'information à Bounagana et de maintenir une histoire et d'attendre. Le problème, c'est quoi? Qu'est-ce que nous avons soupçonné dans ça? Parce que tant aux Oyananda qu'à Batunaba Obi. Hein? Je vous dis, il y a eu 4 tracteurs qui sont arrivés, il y a eu des camions militaires qui sont arrivés, il y a eu des PEM. Il y a eu des polices militaires. Mais nous avons la police ici. Et nous avons les parquets ici. Nous avons même la justice militaire qui est ici. Pourquoi utiliser la garde pléthorienne qu'on a cassée au moment où il y a des procédures? Pourquoi on n'a pas suivi les procédures que, bon, Batali, suivre les procédures, Batali. Mais le ministre de la Justice n'a pas été intéressé dans cette affaire. Le ministre de l'Aménagement du Territoire n'a pas été intéressé dans cette affaire. S'il y avait un problème de route, le ministre des Travaux Publics, parce qu'on pourrait supposer que non, il y a un problème, il y a un embouteillage, et ça est quelque part. Voilà, on instruit le ministre à ITPR, il y a Travaux Publics, que le ministre Tolukato trouvait ici. C'est-à-dire que non, pour qu'on bloque l'embouteillage aux Salema. Oh, ils allaient côté à fleuve. Le ministre qui est en charge à ITP n'est pas intéressé. Le ministre, ministre de l'énergie, parce que bazo tongakuna na capable. Ça, vous l'avez dit. Il n'a pas été intéressé. Ministre, il y a aménagement du territoire, parce qu'il s'agit d'un problème d'aménagement du territoire de la ville. N'a pas été intéressé. Il devait même y avoir une commission mixte. Comme Bango Bazali va demander. Parce que ici, dans la lettre, quand tu regardes, le ministre des Ponts répond au commandant comme demandeur. C'est-à-dire que non, c'est le commandant de la JR qui est demandeur. Basta la action. Et lui, comme il était demandeur, il ne devait pas utiliser. Sur du chef. On comprend. Il ne devait pas utiliser. Le chef a un gouvernement. On n'est que le chef. Commence à faire lui-même. Il est juge parti. Il commence à être lui-même exécutant. Il a utilisé le membre du gouvernement d'aller et le parquet, par exemple. J'ai une question. Dans la procédure normale, de manière à ce que même. J'ai une question très politique. Oui. Il y a autour de nous après vidéo. Une question très politique. Mais Zalaka PR, mon souple, on peut avoir une réponse claire, directe pour Batubayoka. Parce qu'il s'agit ici. Oui. D'un côté, un ancien président de la République, ouais, devenu sénateur à vie, et
un président de la République en fonction, oui. Léko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, batangi na le. Katikati wana, il y a une question politique. Mais entre-temps, les Mauricio Bandaki, Mukolo ya samedi, je crois, il fallait tout ça, l'émission de Sala qui était pour Nayango, c'est à la rompée dimanche, les lots, selon les informations, il y a 3 heures pour continuer les opérations de démolition. Il y a beaucoup de clôture, il y a des routes, il y a Kabila, soi-disant, il y a des routes où ils allaient qui barricadaient Kuna. Alors, tu as perdu quand ils ont appris la nouvelle. Salaki descend sur terrain avec à son tête, à la tête de la délégation, le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari, qui a conduit les troupes, hein, les India Omari, les Jimmy Kitenge, tous les communicateurs et le, quelques personnalités du FCC, qui sont en terrain. Et Bazouaki Maloba. Raphaël Loulou, oui, Premier ministre Tibala, Moumat, Tibala, Loubaralis Souté. Depuis que le gouvernement. Alors, tu reçois la vidéo, il y a Emmanuel Ramazani Shadari, où il y a le mais le coup sur coup, est-il affaibli? Est-ce qu'il a-t-il été intimidé? Tu reçois la voyez ce que donne le pouvoir. Après le pouvoir, qu'est-ce qui arrive? Tout l'anda. Derrick Lunkeba, on a invité sur Ozali Prêt. Tout l'anda, vidéo, il y a Ramazani Shadari qui réagissait après avoir vécu de ses propres yeux, la démolition de la clôture de la résidence de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. À la passée du président Kabila, on ne sait pas pourquoi, sans document important, on demande, vous venez de qui? Il dit, nous avons été envoyés par la hiérarchie. La hiérarchie, c'est qui? On dit non, vous avez demandé au président Tshisekedi, nous sommes dans quel pays? Vous voulez violer la raison de quelqu'un sans l'informer, sans une notification, nous condamnons avec la dernière énergie cette énième intimidation aux Congolais, surtout ceux qui sont de l'opposition et principalement du président Joseph Kabila Kabange. Nous demandons donc au pouvoir public en place de respecter les règles, de respecter les lois. Si vous voulez visiter quelqu'un, si vous avez une préoccupation, il faut suivre la procédure. Au lieu de vous présenter comme des gangsters en disant que l'ordre vient, non, du président Tshisekedi. Non, on ne peut pas nous intimider comme ça. C'est pourquoi nous sommes ici et nous avons décidé de rester ici jusqu'à ce qu'ils vont nous présenter un document pour venir violer la résidence du président Kabila. Le président Kabila n'est pas ici. Sa femme n'est pas ici. Il n'y a personne ici. Il y a seulement les gardes. Mais ils veulent à tout prix entrer ici. Ils cherchent quoi? Nous sommes là, il n'y a rien. Voilà pourquoi nous sommes ici et nous demandons à la population d'être vigilant, d'ouvrir l'œil et les bons. Nous demandons à la communauté nationale et internationale de suivre ce qui se passe au Congo. C'est gravissime. Le pays est en recul de plus ou moins 50 ans et c'est condamnable. Nous, on ne peut pas nous distraire pour qu'on oublie ce qui se passe à Goma. On nous dit qu'on a tué les gens à Goma. Il faut d'abord qu'il y ait des explications. Il faut qu'on nous explique pourquoi on a tué les gens à Goma. On veut encore créer des troubles ici. Voilà, c'est pourquoi nous sommes ici. Et je demande aux militants, aux membres de rester calmes. Et nous suivons ça de plus près parce que nous avons déjà dénoncé. Merci. Merci, chef. Le retour sur ce plateau de Télé-News RDC, chaîne de la liberté. On vient de suivre Emmanuel Ramazani Shadari qui réagissait après avoir suivi les opérations de démolition. Il y a Ndaku Yakabila, Ndeko India Omari. Hiérarchie. Et puis, il y a eu autant rappelé le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ndeko India Omari, est-ce que vous pensez. Mukanda est un commandant JR. Attends, il commande suprême. Il y a une question directe. Est-ce que vous pensez que Ndeko Félix Tshisekedi, chef de l'État, a été personnellement responsable de la démolition? Mais au fait, le problème c'est quoi? Nous sommes en train de suivre la lettre du commandant JR. Le commandant JR, il parle de surinstruction du commandant suprême. Vous voulez à ce que. Il parle de. Et puis, il nous disait comme ça clairement. Bangomo Bazotanga.
Tous ces colonels qui sont arrivés, ils nous disaient clairement que non, ils allaient commandant suprême. Mais nous, et puis la lettre est là. C'est la lettre. Ça dit, preuve n'a pas besoin de lettre. Et puis, total, les 31, Batindi, lettre les 31, il y a demande, et pas un ministre. Les premiers, tu as la date. Oui, oui, il y a Mukanda. Il y a Mukanda, il y a Sekesiko, il y a ministre, il y a urbanisme. A composé. Ordre des services. Ma PC, bah, numéro conformément à la lettre, numéro référencé, tout ça du 31 juillet, du commandant de la garde républicaine, les agents du cadre du secrétariat général de l'urbanisme et habitat, dont le nom suive tout ça. On ne sera pas revenu. Mais il y a même un NU. Regardez comment nous sommes en train de diviser l'administration. Bobo Mibeko, à la nouvelle unité. Sans matricule. Nouvelle unité, vous allez expert. Oui, tu sais. Donc, au fait. Mitindo et Outagi na présidence, et pas Mokonzamboka, ou bien qu'on démolir et pas Mokonzamboka Yakala. Bon, c'est ce qui est dit dans les courriers. C'est ce qui est dit dans les courriers. Qui est dit dans les courriers. Très bien. Et d'abord, même Sokoto Kei. Aux autres personnes, l'administration, ordre de service, c'est la guide pendant deux jours. C'est-à-dire du premier au 3. Bon. Comment venir démolir les lots, les 4? Est-ce qu'on n'a pas prolongé? À 3h du matin? Tu as dit, tu as annoncé la nouvelle ici à 3h du matin. Parce que même ceux qui sont arrivés aujourd'hui, on leur a demandé « Boyer Mukanda Anani ». Parce qu'on regarde. C'est comme ça que nous sommes en train d'évoluer dans cette administration. Moi, je viens de vous dire d'abord, il y a un problème. Problème, Ezali, travail, Yohana Ezali, travail à ministre, il y a aménagement du territoire. Ça, vous l'avez dit. Mais habitant, il y a le construire. Alors, j'ai une question. Qui a demandé, même celui, le demandeur, il y a un domaine militaire. Les demander réagir, on pourrait comprendre que non, ils allaient dans le clos, dispositif dans le bango. Regardez là où ils viennent. Na Kanchachi, Bayeti na Awa Pembeni Wana. C'est combien de distance? Il faut pas les bailler vis-à-vis aux limites, il y a sécurisation dans le bango. Et puis, ils disent même ma campagne. C'est-à-dire que non, bah, que le ressort. Ce que nous sommes en train de vivre ici dans ce pays, ma campagne, ma campagne. Parler de marbre, longola ba barrière de pique. Longola biso moko, ba tokomo le karabango ezala ka problème tant. On comprend. Même les avenues, on va citer. Soko ke na plan cadastral parce que Kabila zana, nous on a vu. Il nous a permis de regarder les plans cadastrales. Ba uti ko sala ilo ba uti. Qu'est-ce qui s'est passé? Ezali le pango na yo. Mutako boye la yote bana kishasa osala na kati soko za na concession nene oyo somba okosala ko modifier pe na kati otie pe ba parking na kati pona ko yamba comme il était président de la république même il est sénateur au fait ancien président de la république akoy yamba pe ba président tango yamba président so ba yamba cortège na bango il faut pas tourner. Et c'est comme ça qu'on a nous avons construit cette route à l'intérieur de la concession pour permettre à ce que les visiteurs viennent, quand ils arrivent, visiter la chef, ils ont la possibilité à contourner. Et c'est comme ça. Vous allez aller. Na JLM ne connaît pas Kabila, vous connaissez la morte. Au fait, il n'y a pas une barrière. Regardez les amis. Est-ce que vous connaissez la morte pas Kabila? Yoka. Na au début. Tokanga Nzela Oyo ya ambassade à Suisse. Parce que Fongola Yango, ça fait 2 ans. Pourquoi? Oui. Mais c'est pour sa sécurité. Pourquoi Bino Bokangi, Bino Batouaye de Pesse Bokangi, Nzela ya limité? Nzela ni Bokangi. Botongi d'abord na Xoras na Bino, Botongi na Nzela. Après Botonga na Nzela, Nzela le lot. C'est là où on devait. Kanga pour la sécurité. Non, Bino, limité, Zali, Bazo Kenga la nan. Bazo Kenga la maman. Parce que Basoba ou Soa, Soko Kei ou Leki na limité. Il y a mon petit, mon assistant vient de perdre son véhicule. Aïe, au tala voisin. Si tu veux, toutes les avenues là, il y a limité. Et ça, barricade.
Pardon? Avenue Nini Bakani Mais il faut leur demander. Non, mais il y a des gardes républicaines qui sont là-bas. Pourquoi Bakangi? Il faut retourner à Bango. C'est là où les gens ont besoin. Maman Marthe a fait un c'est là où. Mais Maman Yamokozi, c'est pas aussi sa sécurité. Nabalabala. Et puis, nous avons dit Balabala. Nabi, non, Balabala. Non. Ah, mais oui. Nabi, Yoka. Balabala, il va nous faire. Le bon, il y a États-Unis. Fleuve Congo, tel. D'abord, il y a Nabi. Il y a États-Unis. Dans mon niveau Kabila, il y a un pouvoir. Toke Malembe. Pour qu'on ait un peu. Mais l'ambassade des États-Unis, ils ont bloqué. Bakangi Balabala. Bakangi Boukapé. Je pensais que les commandants. Tu sais, tu vois que nous, on a ciblé seulement. Monisco, Bakangi Balabala. C'est bloqué. Pour leur propre sécurité, un ancien président de la République, n'a statut, n'est pas n'importe qui. Bako ya aussi la paix attentat, nandakunaye. Attendez, il doit avoir les mesures de protection. Vous considérez lui comme India. Voilà. Pourquoi vous allez accepter. Attendez, vous allez accepter d'humilier. Merci beaucoup. À son absence. L'absence de sa femme. Azawa. Vous cherchez. Joseph Kabila Kabangaza. Laisse-moi d'abord. Continuez. Tikanan Tozo le Babilo essentiel pour la population à Yoka. Continuez. Un ancien président de la République. Parce que Yopé Rokoma ancien. Et tu n'accepteras jamais qu'on te fasse des choses comme ça. Il n'est pas là. Vous ne l'avez jamais notifié. Et ça n'est pas 4 yanda kunaye, 4 ya concession naye. Babilo Konyoso Mona Baba, Jodo, Bani, tout. C'est lui qui a construit. Aménagement, c'est le parking, c'est lui qui a construit. Aux hommes, là. Et ça n'est pas que non, au cours du fleuve. Bon, aux hommes, au canine, au cours de Wapi, dans le fleuve. Au fond, on est là, on a un catalopang, on a un président Kabila. Pas au bima dans le fleuve. Parce que sous Kanango, quand on a distance, on a un côté dans le fleuve. C'est quoi, au fond, on est là, pour quelle raison? Quel objectif? Parce que ça y est, le pang. Aux hommes, lui s'est permis, papa, au moment où il est aux alliés, Nako, Kendete, Naza Bandal, Nalobi, Solina voisin, voilà à Tekilingai. Na Solina voisin, nous sommes à Tekilingai. Na Solina voisin, nous sommes à Tekilingai. Na comment si on a le pango, nous n'avons pas ce que nous sommes à Nak. Nalobi, par deux ou trois parcelles, Nako, tiens, comment est-ce que moi, parking, na, Zela, pour la Tunangai, tant que je vais comment va retourner? Est-ce que dans Salimabe? Est-ce ce qui est le Kouana, na cadastre, ezali na kati, talaba venu nous sur votre tangawana. Deko, na évite ce qu'on a na image na ngao na outre. Nous on s'est rappelé malheureusement. Pote, ngapé na tuna mituna ti. Tala plan, ya likolo. Pas venu nous sur la kati. On attend. A venu au Ganda, ils ont loué la parcelle ya président. Ils ont ouvert. Ambassade à Suisse. Les amis, Moussika, ne pas dire qu'on s'en a la concession, la parcelle, il y a Kabila. Pas dire qu'on s'en a mis. Papa, qu'on s'en a mis, on s'en a mis, on s'en a mis, on s'en a tout ça. C'est là où... Ouais. On s'en a mis, on s'en a mis, on s'en a mis, on s'en a mis. Très bien. Toi aussi, c'est un sujet européen. Peut-être que ce que l'on peut faire, c'est un peu de temps. Je me suis rendu au India au Mari. C'est là, non, tu es au India au Mari. Tant qu'on découvre Joseph Kabila a côté qu'à pouvoir, transfert de pouvoir pacifique et civilisé. Accord, ils ont la rate. Entre Yé, Mokonzi Akala, et Mokonzi Asika. N'accord, Wana, tu y es bi. Que, bah, Yokana, que, ancien président, vous allez protéger Yé. Joseph Kabila Kabange, selon la loi, Azali, ancien président de la République. Azape sénateur à vie, Moubeko Ezali oyeko protégé. Kasimo Konzo ya koti pe azana devoir ya ko assurer protection politique naye, physique naye, mwasi naye, bana naye, libota naye na batu naye nyonso. Les lois wana mukanda to tangi on site ke ba instruction ya kobuka e outi e pa ya mukonzi ya mboka ya mikolo yo. Est-ce que vous pensez na korwana obasalaka ya ke ye fois à la protéger na biloko na ye? Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi asana ko respecter a korwana ya ko respecter ba droit ya Joseph Kabila pe nyonso oyo asana ngona kati ya ekolo Congo? Bon, na osotanga loi ya
y a sur les anciens présidents de la République. Je parle d'abord de l'accord politique. Quel accord politique que tu me parles? Parce que moi, je ne connais pas, je n'ai jamais lu l'accord politique. Moi, je t'en parle. Ah oui, je suis journaliste. Mais brandissez cet accord comme ça, j'ai... Il y a un peu sur l'information, tiens. Oui, on peut s'y mettre. Il faut qu'on ait un accord sur Google. J'avais appris que non, mais M. Nanga va parler les 6. Bon, tous à la Kimia, tous à la des 6. Mais nous convenons avec oui, Ndeko India, Omari. Ndeko India, Omari. Tu es bien que, tant Ndeko Félix et Tshisekedi Abiny Mokonzi, na moi, ngongawana la prestation de serment, avant prestation de serment, bah, nous coûtons un de vos Kabila. Au cours, il y a pas de discussion. Là, il était aussi convenu de respecter. Kabila, son intégrité physique, Kabila, sa famille et ses biens. Les lois, nous avons comme les pressions. Selon les analyses que nous faisons, oui. Selon peut-être tout le monde, Mitindo Arobouk et pas Kabila, et où t'es pas Félix Tshisekedi. Selon Mikanda tout le monde. Oui. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez que même selon la loi, la dignité, l'intégrité du président, de l'ancien président de la République, oui. Est-elle respectée par l'actuel? Mais non, on ne respecte pas parce qu'on a violé. On a violé, on est allé quand on va. C'est l'inviolabilité, il y a lieu, il y a résidence, il y a ancien président de la République. C'est une infraction. Mais pourquoi pas comme papa, non, même la justice, en matière d'habitat. Bah, il y a un colon de la Moutouka, bon hôtel. Bah, tout n'a yo, et le gonim. Et puis après. Bah vie bah quoi couper ça yo nini bah ben gani il faut pas signifier yo, on ne vient pas comme ça avec le marteau comme on a vu un officier supérieur, un colonel avec un marteau à l'ingabe tabatu couper tabiso, tu as vu dans l'image, c'est au kimagi gout au kimagi marteau bah birin au kimagi na kobo mayo aux oreilles bissa moi na mukio au kobo mayo. Mais quand on vient, on doit... Alors, en fait, on ne peut pas agir de cette manière. Si on est là, vous êtes là, c'est pour me protéger. Vous comprenez? L'armée est là, c'est pour notre protection. Nous tous, nous déplorons ce qui se passe. Ce qui s'est passé à Goma. Et nous continuons à déplorer. Regardez aujourd'hui, si ce n'était pas notre ingéniosité ou ingéniosité à président Kabila, Lelo, Neye Bayaki, bah yé na ba oubi bah dit tout ça, c'est comme si tu faisais la guerre. Bah y a qui prend la décision ya Kobouma. Nous on a dit que non, on veut créer un incident pour na pour bloquer l'élection. On a Kabila en 2003, au moins il y a une situation ils ont la et comme au moins bah India wana bah y a voilà tu sape na ba minduki bah y a voilà ka minduki na dans le pango bah voilà qui tout ça oh non bah zaki pe bah lui bah ça la pe. Nous, on a vu tout ça. On a compris tout ça. Parce qu'on ne peut pas venir dans une résidence menacer l'ancien président de la République, la nuit. Donc, il y a une question. Pardon, est-ce que vous pensez... Sans ordre, attendez, sans ordre de démission. Ça, vous l'avez dit. Parce que ordre de démission, on a exagé pendant 2 jours. Ça, vous l'avez dit. Oui, tout ça, Marambasika. Non, c'est la population qui a le droit. Ndeko India Omari. Oui. Question claire. Nyon Soana. Est-ce que la question peut se résoudre entre l'armée et la police? Zilana tunana nos questions. Aux hommes, ou bien c'est le parquet qui peut réquisitionner, parce que la réquisition même, le ministre d'État, il y a Habitat, n'a jamais réquisitionné l'armée, au fait, la JR, pour venir détruire. La concession, il y a la résidence de l'ancien président de la République. Baouti na présidence. Ah, voilà. Selon donc, le président aujourd'hui est habilité à Kosala. Il y a mis Sangaï. Quel intérêt Félix Tshisekedi a-t-il de s'acharner sur son prédécesseur qui ne parle pas, qui ne va pas participer aux élections? L'intérêt, c'est lequel, cher ami? Zala calme maintenant. Balobi makambo yetali barricade. Tokinega na sipitation totali makambo ya barricade. Voilà la ville de Kinshasa comment ezali barricadée. Et pas yaye moko président de la République. Na venue de l'OIA, on a barricadé. C'est pour sa sécurité, c'est le président. Bon, le président Kabila n'a pas besoin de la sécurité.
Parce qu'il n'est pas président, il est ancien, il a un statut des anciens présidents de la République, il a la sécurité de la même manière que le président de la République. Voilà les premières choses. Deuxièmement, l'ambassade des États-Unis a barricadé la route. Vous comprenez? Troisième cas, la MONUSCO a barricadé nos routes, pas une seule route, nos routes. Vous comprenez? On est venu seulement pour le dire chez Kabila. Trois. Limité. C'est patriarche, en fait, Sphinx. On a barricadé les avenues dont les paisibles citoyens, les habitants ont besoin. Et il y a tracasserie là-bas. Tu vois? On l'a fait seulement chez Kabila. Pourquoi on a fait seulement chez Kabila? S'il y avait une décision d'ensemble, on devait notifier tout le monde. Il y a l'acharnement. Mais c'est ça l'acharnement. Pourquoi est-ce que Félix pourrait s'acharner? Et puis, sur Joseph Kabila. Et puis, pourquoi venir à l'intérieur de la résidence et casser? C'est ça que nous sommes en train de... Pourquoi ils ne sont... Bon, Bakéla, dans le ministère, il y a titre foncier pour... C'est aussi ça. Si véritablement... C'est aussi ça, sujet. Concession voilà, est-ce à Kabila ou pas? Ou Kabila avait acheté dans ou quel pas. État se trouve Joseph Kabila présentement après avoir appris que Nikunaye Félix Tshisekedi a tindi batubaya kubuke panaye Azar Ekenke. Il a même dit que il a dit c'est ce qui lui concerne, c'est le pays. Il a dit ça à qui? Moi je te parle, je suis porte-parole, je suis communicateur du FCC. Je suis doyen de la communication du FCC. Kabila a dit quoi? Je parle ici comme doyen de la communication du FCC. D'accord. Kabila le voyait. Oui. Il a la passion du Congo. Il a l'amour. Il s'intéresse au pays, de ce qui se passe à Goma, de ce qui se passe ici. Il s'intéresse pas sur le matériel. Botika bango ba kota so ba récupérer ba biloko nyonso même na ndaku ba kota na chambre. On le laisse. Nous avons besoin de sauver l'homme, les hommes, les humains. Aux hommes, là. Ils ne voient pas. Parce que le problème, c'est quoi? C'est le matériel. Écoutez, il nous a dit d'être calme et d'éviter tout incident, d'éviter toutes les provocations. Très bien. Aux hommes, c'est ça. Dernière question sur ce sujet. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on les rate. Maintenant, Babouki. Tala, Babouki. Nous sommes en train de... Babouki. Voilà. Bakende da Flevet. Na kanisite de non, yangonde, kobuka et loko, concession à Kabila, ou bien qu'on soit résidence à Kabila, nde, et qu'on s'y sa guerre, na... Donc le gouvernement est dans 5-8 aussi. Donc on récupère pour Nagar, on est mis à la Nayo et aussi là. De Goïndia. Nous disons ceci. Écoutez, nous disons ceci. Regardez, laissez-moi d'abord terminer. C'est un que c'est le malobat. Il y a un homme qui est le bébé. Il y a un autre qui est le bébé. Il y a un autre qui est le bébé. Le gars est un co-débatteur. Je ne suis pas votre co-débatteur. De Goïndia, c'est une interview. Ah ouais. Babouki n'est pas Kabila. Kabila lobby. Botika Baron Babouka. Quels sont les moyens de droit? Parce que tout ce qui est légaliste, vous avez qu'à dénoncer la télé, Chadari a quitté, Kabila Lobikuna, Botika Babonga Boukande, Silite. Nous sommes dans un état de droit. Répondez-moi clairement et brièvement, quels sont les moyens de droit que Joseph Kabila compte utiliser, les moyens de droit et les moyens politiques que Joseph Kabila compte utiliser pour être rétabli dans ce droit au cas où ces derniers étaient violés. Nous ne comptons pas dans Bandeko et Baza. Monsieur Tshilombo est un président sortant. Et il y a 119 jours, non? 106 jours. Est-ce que Togobundana ou tout? Parce que il y a 100. Tozo se reconnaître. Yemoko! Les moyens politiques et de droit. Les moyens, Tozo Nango, les Amikanda. Nous allons gagner ça sur base Amikanda. Ça va nous retourner. Donc, on va aller en muscle. Et Koufélité, nous allons récupérer ça même après 10 ans, même après 2 ans. On m'a dit le lot. Que voilà la sagesse, Nabiso. Bango wana bafani. Basi babouki. Mais batikani pour faire un andak. Naba obi.
Nous qui avons l'aspect, tout le monde est là. Maintenant, ils sont à la parcelle, dans la parcelle. Ah, oui. Parce qu'on n'est pas Kabila. Mais parce qu'on a mis ça après à OKI. Bon, très bien. C'est-à-dire, mission de Bango Yanzela. Yanzela ou Baloukaki. Basi va réaliser. En principe, selon moi, quand vous terminez une mission, vous partez. Très bien. Mais quand vous restez, vous avez un autre objectif. Bah, revolver les athées. Alors, les coïnes, il y a un mari, il y a un procès, il y a un dossier à elle. Il y a un dossier à elle, il y a un dossier à Italie, Ezala Bunagana, Ezala Makambo, carnage, il y a un massacre, il y a un salawana. Nous allons nous faire. Tokena Wazalendo. Tokena Wazalendo. Encore une fois, nous avons vu la fameuse. Bon, tout le monde y garde républicaine. Mais tu as quand même compris ce qui se passe de l'autre côté. Damson, Damson. Compris quoi? Oui. Mais Babilo Koba, Bazoko, Bazozodini. Parce qu'on y a un peu de temps. On a déjà fait un mot. On a déjà fait un mot. On a bloqué un dossier. On a prononcé ça. Nous avons vu. Un scientifique, c'est aussi quelqu'un qui sait se résumer. Deux minutes. Ibisangai. Quand vous avez encore vu les images de la garde républicaine traîner les corps de cadavres après une intervention musclée. Vous avez pensé que nous étions dans quel état? Écoutez, j'étais toujours dit que Mbokanabiso, ton côté na dictature. Rappelle-moi, rappelle-toi ici, sous ce plateau, Nayaki ko dénoncé Makambo ya tali tenue militaire. Na ba création ya ba unité na katie ya armée. N'est-ce pas? Je vous ai même dit à un certain moment que l'unité spéciale existe à Kate, dans l'armée. Dans Kate armée, Nabiso. Armée Nabiso, ils allaient m'embêter. Tenu, ils allaient légiférer par honorable Louloulou, tout ça. Et tous les insignes, même militaires, étaient légiférés. Les autres, ils ont dit que les gens qui ont créé une unité, ils ont dit que les gens qui ont créé Oye bakangi na goma balobi batie na nini azani muntu anani ya unité spéciale de bakangi oye basala y communiquer. Je vous ai dit ici que un jour bokobe na prophète lelo bokobe na prophète na nini mais désordre wana na lobaki les babiloko bazo créer ou la mouki na tongo soko ni go créer loko kende na go soki c'est une réforme kende na go na parlement a avalisé ba réforme na yo. Il y a Makambo, il y a résidence, il y a ancien président de la République. Bon, violer Nano. Il y a violé statut, il y a ancien président de la République. Bon, violer. C'est une loi. Et ça, il y a un point de bataille. Bon, violer statut, c'est une loi. Il fallait qu'on respecte. Papa, il y a un lobité. Bino pe bogo na kanisi ke no bogo kuboti aga seko na uti ko yobi sa exoral ndako na bino exoral na limete. En résumé, gouvernement gouvernement de la République Lobaki, Batouane Wazalendo, Basala qui trouble à l'ordre public, la manifestation à Bango. C'est comme ça que la force de l'ordre est intervenue pour maintenir l'ordre public. Conséquence de cette intervention, une quarantaine de morts, selon les sources officielles. Mais société civile à Kolobela, qui est au moins une centaine. Le gouvernement n'est pas resté silencieux. Il a dépêché une mission du gouvernement de la République Nakati à Gomakuna pour s'enquérir de la situation. À la clé aussi, un procès en flagrance a été organisé pour établir les responsabilités. Est-ce que vous pensez que l'attitude du gouvernement face à cette tragédie rassure par rapport à la suite des événements? Est-ce que tu as la vérité? Nani a fait ça qui ordre?
commandement et pas à Nani, quelle est la responsabilité aussi à garde républicaine d'intervenir dans ces genres de situations qui aujourd'hui nous déplorons beaucoup de morts. Hein? Votre réaction bon, de en tout, deux minutes pour aussi les. De toutes les façons, Ndeko, d'abord, ce que Nathalie n'a pas document dans la cala, ce qu'on a fouillé, il y avait une opération dans l'Itourie qu'on appelait opération effacer les tableaux. La responsable est à l'opération. Hein? Bazali lelo na gomme. Tu comprends? Je comprends. Et il y avait des membres du gouvernement qui ne devaient pas quitter Kinshasa pour na se rendre na... à l'instar y a Kazadi qui aza yé et pour na éviter Babilo Kouana. Parce que vous voulez dire que parmi une opération facile de tableau, on peut pas avoir un gouvernement Mikolo. Je dis ceci. Ça peut partir à délégation. Je dis aux gens journalistes. Je ne suis pas là pour aller acquiser. Et continuer. Tous ont fouiné. Mon président de la République a habitué à qui besoin d'un terme à fouiner. Tous ont fouiné l'histoire. Quand j'ai vu certaines personnes, personnalités, j'ai dit ah, enquête aussi ma bien-té. Enquête Elali. Elali. Il allait. Bon, le vice-premier ministre Kazadi devait aller avec une équipe, peut-être à deux ou trois personnes, et puis accueillir Kosambisa. Babilo Konaye, Yemo Konabatunaye, calmement avec banqueter. Pour que non. Vérité, Bima. Et Bima. Mais on dit Babilo Moussouana. J'étais d'abord, je me suis dit que non. Et aussi Mbate. Bako bloqué, bako bloqué, ba mécanisme Moussous. Ce qui s'est passé. N'est-ce pas Longanani par exemple? Non, n'a pas Kotawanate. Attendez. Non. Vous ne voulez pas citer des noms. Non, mais il y a des noms qui ne pouvaient pas être dans la délégation. Mais écoutez. Ouais. Mais nous sommes, la vérité, c'est, nous sommes en train d'aller vers la manifestation de vérité. La vérité. Qui a donné l'ordre? Ouais. Qui est l'autorité? Il y a Isikawa. Il faut pas bander. Donc, il n'est malembe. Vous pensez que là, dans votre juridiction, aux hommes, là, tout est enquête, ça, les Mayamalamu. Et puis, ça, cette histoire, il y a Goma, est méritée enquête internationale. Parce qu'il s'agit de crimes contre l'humanité. D'abord, crimes contre l'humanité, le fait qu'il y a Kotombo Labatouana, na modèle. Quand il y a des morts, nous, Africains, on a les respects. Un militaire, bisoto mona ki lera kala. Tango toza okola. Soki matang e bembezo leka, soda a katela kalo sako. Ponani. Pona honneur. Honneur. Mais soda ko si mbandenge to mona ki wana. Non. D'abord, et sali mabe na image en boka. Et détruire l'image en boka. Le fait, on devait laisser la croix rouge faire ce travail. Façon wana. Non, ce qui s'est passé à l'époque en Ituri, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est pratiquement. Mais nous devons chercher maintenant. Les responsables. Les auteurs intellectuels, il y a des dégâts. Et puis, il y a des dégâts. Il y a des dégâts. Il y a des français. Wazalendo signifie patriote. Un jour, toi et moi, nous avons suivi les ministres de la communication. À défendre la lobby, ce sont les patriotes aux côtés. Les réservistes. Les patriotes aux côtés. C'était ça même l'idée. Bon, tout aussi les ça. Les porte-paroles, les porte-paroles armés. À l'égard qui n'a été endommé, n'a briefing. Pour le lobby, non. Le bloc Wazalendo, ils ont été créés par Mzee. Moi, je suis venu pour dire que non. Moi, ça n'a jamais été créé par Mzee. Wazalendo. Dernière question. Mais Wazalendo, ils ont milice. C'est un mot qui signifie en swahili patriote. Patriote. Merci. Aux hommes, mais Nelo, Wazalendo, wana, Bakuti Bango, Bazali, bon, t'as supposé que ça marche. Mais les moteurs, il y a des méthodes policières. Pour réprimer. Pour. Encadrer les marches. Il y a des méthodes aujourd'hui professionnelles. C'est-à-dire que notre police doit devenir professionnelle. Quand vous utilisez l'armée, on utilise l'armée quand? Zila. Quand on trouve que non, il y a une résistance, il y a force ennemie, l'armée vient en appui. Mais 25 km, ils allient dans la juridiction, il y a la police nationale congolaise.
Pourquoi? C'est ce qui vient de se passer ici. Vous vous pensez qu'il y avait combien de gens pour aller casser? Dernière question. On n'a pas pu... C'est la méthode. À la télé, c'est la méthode de la régime. Il y a pour utiliser bas armée, bas JR. On ne peut pas utiliser cette armée qui est pour la protéger. Parce qu'à Goma, là, on protège qui? Très bien, bon, très bien. Zélanan. Zélanan. Oh, question à Souga. Eh, question à Souga. Les sources. Il y a Souga. Les gens m'ont mis dans le modèle. Tant que la garde républicaine va quitter et pas de Kabila pour Nagobuka, tout le Baki, nous avons conclu ensemble qu'on a utilisé la garde républicaine de manière abusive. T'as là-bas annotation. Zélasiko. Est-ce que dans l'opération OIO, il y a un massacre. Il y a un massacre. Il y a un garde républicaine impliquée. Est-ce que vous pensez aussi que la garde républicaine a été abusivement utilisée? Mais moi, je crois que non. En fait, mais on doit savoir l'auteur intellectuel. C'est une affaire. Mon frère ami, regardez. C'est la nébuleuse. On appelle ça en stratégie la nébuleuse. C'est un cheval de Troie. C'est un cheval de Troie. C'est-à-dire qu'il y a un reste. D'abord, tu dois savoir aujourd'hui, ici dans la ville de Kinshasa, même l'insécurité, les alliés, faute morale, on doit punir les gouverneurs. L'insécurité, comme c'était à l'affaire de Kabakaba. Moralement, même le président de la République est moralement responsable. Ce qui se passe à Goma, même le président de la République est moralement responsable avant les procès. Toutes ces autorités-là... Même démolition à Ndakwa Kabila. Mais moralement, c'est la loi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette question. Le problème, c'est quoi? Je recevais pour vous... Mais ordre et outil. Mikanda et Zali. Au moins, le problème, c'est quoi? Bissot, à l'époque... Tu ne pourrais jamais entendre que non, sur instruction du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Ici, on a des preuves de tout. C'est-à-dire que non, il y a par exemple ce qui s'est passé. C'est documenté à Goma. C'est documenté parce qu'il y a des images. C'est retraçable de cette affaire. Merci beaucoup. Regarde ce qui s'est passé. C'est de l'amateurisme. L'amateurisme, on ne peut pas, l'armée ne peut. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui avec toutes les images. Ça va aller dans les livres blancs en Suisse pour démontrer que non, toujours continuer la question il y a droit de l'homme. Merci beaucoup. Et je suis en train de dire ici. Merci. Où sont les ONG des droits de l'homme? Katendeka, Piamba, Azado, tout ça. Merci beaucoup. Oh, monsieur, Deco, India, Omari, Force. Les lourdes relations entre Kabila et Félix Tshisekedi. Écoutez, c'est depuis ma violation, depuis coup d'État institutionnel. Voilà. Kabila a bouché. Allez enquêter, amenez-nous des éléments. Bisopeto ko sala ba enquête poto yeba. Bisopeto ko enquête, nous avons des preuves. Ndako wana vous avez le wana bazwa yango. Boyoki yango, c'est là la sil sa émission. Boyoki yango, selon deko, selon batuya. Oba yaki ko buka sur instruction de la haute hiérarchie balobite et pas deko Kabila ba venir zalaki. Selon deko India Omar yali na ba élément awa, la kisikutuna carte ya Lupango ya Ndeko Kabila lobi, il n'y a aucune avenue qui traverse la résidence de l'ancien président de la République démocratique du Congo. Voilà. Et toutes les avenues qui ont été citées ici, na Mukana la Bango, est loin. Na résidence. Continuer à vérifier. Mais je crois que la vérité finira par ne va pas continuer à utiliser la garde républicaine pour Namaramba Boye. Garde républicaine, ils allaient une unité qui est en détachement pour la protection. C'est une unité d'honneur, mon cher ami. De la République, de sa famille, de ses biens et de ses hôtes, mais aussi de quelques sites stratégiques. On ne peut pas voir la garde républicaine à Negetomunaïna Goma, on ne peut pas la voir aussi. Namaramba démolition. S'il y a démolition, s'il y a quelque chose à faire, ce qui n'est Kabila Aza, par exemple, dans une situation irrégulière et à Kazoa, il faut respecter la procédure. C'est dur. Parce que Kabila n'est pas au-dessus de la loi. Bon. Tout ce que nous voulons,
ce qui le Kamweza a reproché dans le Kabila par rapport à la concession naïe, respecter la loi naïe, impliquer les ministères de tutelle, impliquer les parquets, pour que tant qu'on quitte un intérêt, il y a une décision, il faut babouka. Et même quand il y a une décision, il va falloir aussi couper sa préavis. Nandiko Kabila pote a mis l'engle pour savoir comment dégager de là où ce n'est pas la garde il aurait occupé illégalement. Ouais. Voilà comment la République se gère. Mais cette façon de faire les choses dénote de l'amateurisme. Et M. Sili, Bandeko Balandi, Tukutani, na émission Moussousou. Réaco News à vous informer, c'est notre devoir. Réaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel.